Ça y est, ça fonctionne. Merci. Sur ce projet de loi de transformation de la fonction publique, vous n'avez pas osé mettre modernisation dans le titre, vous l'employez dans les mots, mais je sens bien qu'on va parler beaucoup de souplesse, d'agilité. C'est une sorte de cours de yoga mental autour de la fonction publique. Néanmoins, je tiens tout d'abord quand même à vous féliciter, monsieur le ministre et la majorité parlementaire. Vous avez quand même encore une fois réussi quelque chose que personne avant vous n'avait réussi, se mettre 100% des organisations syndicales à dos. Franchement, c'est pas mal. Vous l'avez déjà fait sur le projet de loi justice. Là, vous récidivez. J'espère que ce ne sera pas comme ça pour vous, hein, jusqu'à la fin du mandat. Sinon, il risque d'être un peu plus court que prévu. 9 organisations syndicales, quand même, qui refusent de valider ce texte. Hein. Et ce n'est pas effectivement les quelques avancées que vous proposez qui en sont, en termes d'égalité femmes-hommes, en termes de lutte contre les discriminations, même si on pourrait aller plus loin, encore une fois, mais... Ce ne sont pas ça, ni la revalorisation des catégories C, ni la mise en place d'une prime de précarité, qui leur feront oublier l'essentiel de ce texte, qui est une attaque en règle contre le statut de la fonction publique, qui deviendra demain l'exception et non plus la règle, tant vous augmentez justement les dérogations. Et c'est effectivement la formule consacrée à beaucoup d'articles, par dérogation au fait que l'emploi public permanent soit occupé par des fonctionnaires titulaires. Donc c'est par dérogation qu'on va pouvoir y mettre des contractuels, alors non pas en CDD cette fois-ci, mais en CDI. Ce qui me fait dire que quand même, peut-être que l'objectif n'est pas tant d'augmenter le nombre de contractuels en soi. Ça, c'est un point d'étape. Vous situez plutôt sur le temps long. On est déjà à 18% de contractuels. Peut-être 40 à l'avenir, 50, qui sait. Je ne sais pas si vous avez un objectif chiffré, monsieur le ministre, comme vos 120 000 postes. Bon, c'est vrai que monsieur le président vous a un peu rabroué sur les 120 000 postes, mais... Mais en tout cas, peut-être que vous avez des objectifs chiffrés en la matière. Et on voit bien que qu'est-ce qui vous embête? Vous voulez mieux profiler. Vous voulez avoir les profils les plus adéquats aux missions qui sont à remplir. Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron avait dit qu'il mettrait en place une sorte de spoil system à la française, qui passerait en revue tous les directeurs d'administration centrale, hein, pour les confirmer ou non. Confirmer au vu de quoi? Au vu de leur adhésion au projet politique d'Emmanuel Macron, ce qui tranche avec une certaine forme de la fonction publique qui était plutôt d'actualité, qui était de dire que les serviteurs de l'État, y compris dans les directions, globalement, sont loyaux et suivent les ordres qui sont donnés et qu'il n'est pas besoin de tous les changer du jour au lendemain. Vous avez sans doute essayé, je ne sais pas, monsieur Dussopt, si vous avez essayé, en lien avec le président de la République, de changer quelques directeurs d'administration centrale. Bon, on a vu le préfet de police à Paris, ça c'est vrai, on l'a vu. Mais globalement, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Alors, peut-être que le statut, justement, a été un frein à tout ça. Peut-être que le corps préfectoral s'est mobilisé, a fait corps pour éviter d'avoir des jeux de chaises musicales et que finalement, le seul moyen qui vous reste, c'est de faire un texte de loi pour ouvrir les emplois permanents à des contractuels sur des emplois de direction, qui est quand même la première salve, la première étape. Moi, je serais directeur d'administration centrale. Aujourd'hui, j'aurais un peu peur pour la suite des événements, pour mon poste et pour mon emploi. Et je me dépêcherais d'aller dans le privé. D'ailleurs, ils le font pour beaucoup déjà. Ils reviennent ensuite, ce qui est un autre problème, puisqu'il faudrait, à mon sens, renforcer le passage devant la commission de déontologie. Quand bien même elle serait fusionnée avec la HATVP, ça me semble être des choses essentielles. Mais au fond, le deuxième objectif pour vous, c'était de continuer... de décliner le new management public, c'est cette idéologie qui veut que les méthodes du privé seraient bien meilleures que le public par principe, par dogme, et qu'il faudrait les dupliquer à la fonction publique. Et là, vous reprenez la méthode des ordonnances travail appliquée à la fonction publique, donc c'est ça qui a pour conséquence la fusion du comité technique et du CHSCT. Alors après, vous nous dites qu'on va mieux prendre en compte la question de la souffrance au travail, on se demande bien comment, avec moins de temps à y consacrer et avec des délégués syndicaux qui seront dans les deux instances, avec les doubles casquettes, et alors qu'aujourd'hui, on a des délégués syndicaux qui peuvent se consacrer à cette mission d'hygiène et sécurité. D'ailleurs, ça se passe souvent très bien. Les DRH en sont contents et les administrations en sont globalement contentes. Personne ne demandait ça, mais vous le faites quand même. La réforme de la CAP, bon là, c'est clairement... Je savais que vous n'aimiez pas les fonctionnaires et on savait que vous n'aimiez pas les syndicalistes, mais là, on le voit d'autant plus. Et finalement, la méthode des ordonnances, en soi, est une nouvelle fois utilisée, notamment sur un aspect qui pourrait paraître essentiel,
qui est celui de la formation initiale et de la formation continue. On voit bien que l'ordonnance est extrêmement large et qu'elle peut permettre de réformer l'ENA sans trop de difficultés, enfin de supprimer l'ENA, pardon, pour reprendre les mots du président de la République, et lui-même en sait quelque chose, comme il a dit. Bien sûr qu'il faudrait réformer l'ENA, avoir une meilleure représentation sociologique dans le pays des emplois de direction, mais peut-être que réformer le concours était déjà bien amplement suffisant. Bref, vous nous trouverez face à vous sur la quasi-totalité de ce texte et aux côtés des syndicats, et notamment le 9 mai prochain.